Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. Et Shavua Tov, bien proximité avec la fête de Purim, m'invite à réfléchir sur une des mitzvot les plus importantes de Purim, qui est Matanot Levionim, les cadeaux pour les pauvres. Et oui, c'est un jour où on ne doit pas oublier les pauvres, et on doit faire au moins à deux pauvres un cadeau qui peut être de l'argent, qui peut être aussi en nature. Enfin, le plus facile, c'est de donner d'argent, comme ça au moins il peut en faire ce qu'il veut. Et qui pourra dépenser le jour de Pourim, c'est pour ça qu'il faut lui donner le jour de Pourim, et pour faire la fête. Il fera ce qu'il veut avec cet argent. Combien on doit donner? Alors, en général, c'est une prouta. Une prouta, c'est une petite somme qui a une petite importance quand même. Mais dans les textes, on va nous dire que ce serait bien de ne pas donner quelque chose d'insignifiant ou de minable. C'est pour ça qu'on va donner, on va dire, l'équivalent de pour faire un petit repas. Au moins s'acheter un morceau de pain avec mettre dedans un petit peu de soit de charcuterie, soit du fromage, soit enfin il y a la possibilité de se prendre un petit sandwich, voilà. Ça pour deux pauvres, mais on peut le faire pour plus encore. Et je dirais même que plus on multiplie les matanot levionim, mieux on multiplie la joie, puisque Hachem apprécie la joie que l'on donne aux pauvres. C'est pour ça que plus que les mishloach manot, les cadeaux qu'on se voit les amis les uns aux autres, ou avec une personne, on a déjà fait la mitzvah. Alors on peut faire avec plus d'une personne, au contraire, c'est très bien. Mais c'est mieux de mettre plus l'accent sur les matanot levionim, les cadeaux pour les pauvres. La question qui se pose, est-ce qu'on pourrait faire ça en réglant quelque chose par internet? La réponse est oui. Carte bleue, oui, même si on est débité à la fin du mois, mais le principe est que l'argent est transmis directement à l'association qui va le distribuer le jour même de Pourim. Il faut que ça soit distribué le jour de Pourim, cela est très très important. Alors, sachons être particulièrement généreux pour Matanot Levionim, les cadeaux pour les pauvres, à l'occasion de la fête de Pourim. Excellente journée. Adé, adé.